Je sais pas. C'est mort. Mon aventure à moto est finie. Il fait 3 degrés ce matin. Le pont il est pété quoi. Salut à tous, alors moi c'est Benoît, alias Lavadrouille, et dans quelques semaines je pars à l'autre bout du monde. Je pars à Nouvelle-Zélande, pour une durée indéterminée, avec le rêve de traverser ce pays en moto. Ça va pas être facile, je pense qu'il va y avoir pas mal de soucis, surtout que mon plus gros souci c'est que je ne parle pas du tout anglais, même pas l'anglais scolaire, car suite à de grosses difficultés, j'en étais dispensé pour me concentrer sur les autres matières. Du coup ce n'est pas un, mais plutôt deux projets que je me lance, deux projets, défis, je verrai bien. Je suis motivé et déterminé, je sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça ira. C'est le grand jour. Je quitte mon beau sud-ouest pour l'inconnu. Le trajet qui m'attendait était long. Plusieurs avions et aéroports. J'ai eu le temps de me demander pourquoi. Pourquoi à 19 ans je me lançais de tels défis, alors que la plupart de mes camarades sont sur les bancs de l'école. Mais je me suis vite rappelé que la vie m'avait déjà montré que même si on était jeune, malheureusement, elle pouvait s'arrêter à une seconde. Depuis ce drame, je ne me trouve plus d'excuses pour ne pas réaliser mes rêves. Bon, mais je viens d'arriver en Nouvelle-Zélande, je suis trop content. C'est un rêve qui se réalise quand même. Je viens d'aller poser mon sac à l'auberge de jeunesse. Et ça n'a pas été facile parce que je parlais pas anglais pour se comprendre. Même des fois dans l'avion et tout ça, même à l'aéroport ou aux douanes, ça n'a pas toujours été facile. Mais je me suis toujours démerdé alors que je dois ça dire 40 mots en anglais, mais je me suis démerdé. Voilà, et je vais rester 2 semaines à Auckland, dans l'auberge de jeunesse, parce que le matin je vais prendre des cours d'anglais, et après je vais partir vadrouiller dans toute la Nouvelle-Zélande. Comme tu viens de voir, j'étais super excité d'être arrivé. J'étais à Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, pas la capitale mais la plus grande ville. J'ai fait plein de rencontres dans cette ville, j'étais étonné même de rencontrer autant de voyageurs du monde entier. Mes 2 semaines se sont super bien passées, les cours d'anglais aussi. Mais après 2 semaines, j'ai décidé d'aller dans le Northland aider une petite mamie. Je suis arrivé dans une baie magnifique. Elle avait une super belle maison à 10 mètres de la plage, avec plein de voiliers à côté. Je me suis super bien amusé et j'étais chez elle pour l'aider à faire son jardin. Je l'avais contacté sur le site Helpix et le deal était que je devais l'aider 4 heures par jour, 4-5 heures par jour et elle devait me nourrir, me loger, me blanchir. J'ai passé de super moments là-bas. Et après mes quelques heures de boulot, je pouvais faire plein de choses. Je pouvais me baigner juste à côté, je pouvais faire du kayak, réviser l'anglais. Elle m'a même fait visiter la région avec une copine à elle. J'ai découvert plein de choses grâce à elle. Fini le boulot, fini la baignade, on part en balade. On commençait déjà à avoir une petite vue. Allez, c'est parti. En claquette, hein, bien sûr. Pendant ces 2 semaines-là, une autre famille m'a contacté pour leur venir en aide pour aménager un bus, un projet super cool. C'était à 7 heures de route, de bus, mais après les 2 semaines chez la mamie, j'ai décidé d'y aller. Du coup, j'ai fait 7 heures de bus en plusieurs jours pour aller juste à Tauranga, qui est beaucoup plus au sud, encore plus au sud qu'Auckland. Et là-bas, j'ai pu aménager un bus, j'ai vécu dedans, je l'ai aménagé, j'ai visité la ville aussi à côté. C'était super chouette, j'y suis resté quelques temps, j'ai bien profité. Alors je vais vous présenter mon hôte, Emily. Bienvenue.
Et ouais, bienvenue dans ce Volibus, la propriétaire avec ses enfants. C'était une super expérience d'aménager un bus, ça m'a beaucoup plu. Ça a pris 2-3 semaines d'aménager le bus comme il voulait. Et après cela, je suis parti à Wellington, la capitale de Nouvelle-Zélande, qui est tout au sud de l'île du Nord. J'y suis allé en bus, j'ai fait 2-3 stops entre. Et je voyageais en bus parce que j'avais toujours pas de moto et que je n'osais pas m'aventurer à essayer d'acheter une moto car mon anglais était vraiment très moyen et que c'est pas facile d'acheter un véhicule. Du coup, j'étais allé à Wellington pour chercher du travail. Malheureusement pour moi, il n'y avait pas du tout de taf à la période où j'y étais. C'était les vacances d'été, en plus c'était Noël, du coup vraiment pour trouver du taf c'était la galère, tout le monde galérait, tous les voyageurs. Du coup j'avais pas mal de temps et j'ai pris mon courage à deux mains. Ça faisait maintenant 2 mois que j'étais en Nouvelle-Zélande, 2 mois que je trimballais mon besoin de moto pour commencer à chercher une moto. Au début j'ai pas trouvé, je trouvais que des petites cylindrées, des 125, des 250, et moi je voulais un peu plus gros. Et au bout d'un moment je tombe sur une annonce d'une Suzuki DR600 à 1h30 de train. Du coup, j'avais commencé à échanger avec le vendeur et je m'étais décidé à aller la voir. Du coup, j'étais allé la voir et c'est comme ça que j'ai fini avec une Suzuki DR600 de 1985 pour 1 500 €. J'étais vraiment super content d'avoir la moto, ça me permettait d'aller partout. Je traversais la ville dans tous les sens, je pouvais même aller à la plage, je pouvais rouler sur la plage, qu'à Nouvelle-Zélande tu peux rouler sur pas mal de plages. C'était vraiment génial, mais malheureusement je trouvais toujours pas de taf à Wellington. Du coup j'ai pris la décision de changer d'île. J'ai pris un gros ferry pour traverser, pour aller à l'île du Sud, qui est à environ 3-4 heures de ferry. Je m'attendais pas que ce soit aussi long la traversée. Et l'île du Sud est beaucoup plus nature, il y a beaucoup moins de monde qui habite. Et je savais qu'à Blenheim, une ville pas trop loin de là où le ferry nous pose, il y avait pas mal de taf pour les voyageurs. Du coup je suis allé là-bas et j'ai travaillé plusieurs mois là-bas. J'ai travaillé dans les tomates, dans les vignes, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai pas mal fait la fête, c'était super chouette. Je suis resté à Blenheim jusqu'à ce qu'un de mes meilleurs potes vienne en Nouvelle-Zélande pour visiter, juste en touriste. Et avec lui, on a loué un van pendant 3 semaines. On a fait une grande partie de l'île du Sud en van. On a vu plein de choses. C'était vraiment génial.
Ça m'avait rempli d'énergie de revoir un de mes meilleurs potes de France. Après 3 semaines avec lui, il me laisse dans la ville de Christchurch, où c'est que je récupère ma moto, et là, l'aventure pouvait commencer. J'avais un peu d'argent, j'avais du temps, et j'avais la moto. Du coup, mon road trip en moto commençait. Ça allait traverser l'île du Sud, puis la remontée. Mais j'étais pas encore parti, que j'avais déjà des galères. Je vais vous expliquer tout ça. Bon, je vais t'expliquer pourquoi je te dis que ça va être un peu la galère. C'est parce que déjà, on est en hiver. L'été est fini, c'est l'hiver. Il y a 3 jours à 30 km, il neigeait. Là où je risque d'aller, il y a de la neige et tout. Là, c'est un problème. L'hiver, la neige. J'ai une entorse à la cheville. C'est-à-dire que c'est pas facile déjà de conduire la moto. Ça fait 3 semaines que je l'ai, 3 semaines que je marche avec les béquilles. Là, je commence à moins marcher avec les béquilles, souvent qu'une ou des fois zéro. Et le troisième problème, pour agir un peu, c'est que je le kick dans la moto cassée. C'est-à-dire que je dois, pour démarrer la moto, je dois la pousser, sauter dessus, sauf qu'avec mon entorse, c'est pas facile. Là, cette fois, c'est vraiment l'aventure. Bon, j'aime ça l'aventure, mais là, ça va être marrant. Allez, c'est parti! Théo! Bon, il y a un petit anglais, il est venu me poser des questions, pour savoir depuis quand j'avais la moto et tout ça. Il dit qu'il voudrait le faire en Australie et tout ça. Ouais, c'est l'heure d'y aller, tout est chargé. J'ai plein d'affaires comme d'habitude, même si je jetais pas mal de trucs. Je dis au revoir à tous les copains du backpacker. Je suis quand même resté 10 jours ici, le temps de me rétablir de me prendre mon pied là. Il était énorme quand je suis arrivé, mais là j'arrive à marcher. Allez, on est parti! Ça fait longtemps que j'ai pas conduit avec tous les bagages. Il y a plein de terrain de rugby ici là. Il y a un moyen, je sais pas, 7, 8, 9, 10. Et oui, la Nouvelle-Zélande est une terre de rugby. Mais pas autant que ce que j'avais imaginé. Au début, les ronds-points dans l'autre sens, ça fait vraiment bizarre. Maintenant, je commence à m'habituer. C'est un vrai labyrinthe cette ville, là, je sais pas où il faut aller. Et ouais, t'as pas le GPS sur la moto. Mais t'as le GPS dans la poche. Regardez, ça va, je suis en train de la route là où j'étais, que je connais. Quand je disais tout droit, c'était vraiment tout droit. Pendant des kilomètres et des kilomètres. Heureusement, au loin, je voyais les montagnes pour me distraire. Et aussi, de temps en temps, je voyais les vaches au bord des routes. Bon, au final, je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, où c'est que je vais aller dormir. Parce que là, la météo est super bien. Aujourd'hui, une super belle journée. Et demain, il risque de neiger dans la montagne et tout ça. Et avec le vent, la bâche s'est enlevée. Et t'as déjà vu un motard, toi, rouler avec les béquilles pas loin, quoi. J'aurais jamais cru de ma vie rouler avec les béquilles sur la moto en cas que mon pied aille pas mieux, quoi. Alors ça, tu vois, ça c'est de la baguette française. Là, ça déconne pas. Et oui, c'est reparti. Faut partir pour de la ligne droite. Ah là 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 là. Heureusement qu'avec la moto, j'ai quand même un peu de vitesse pour doubler les gros véhicules, quelques camping-cars et bus, mais surtout des longs camions avec parfois plusieurs remorques qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Où est-ce que je suis? Je suis perdu ou quoi? Ah oui, c'est vrai, je suis en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il fait beau? Ah ouais, pas trop mal. Ouh, quatre mon couple, il fait plus frais. Bon, des capots, à peu près pareil. Bon, j'ai enfin décidé où c'est que j'allais ce soir. Du coup, je vais rester sur la côte, je voulais monter dans les montagnes peut-être, mais la météo est bien aujourd'hui, mais demain elle est pas terrible. Et c'était surtout pour aller voir le Mont Cook. Ici, demain la météo elle est pourrie pour voir le Mont Cook, alors que je l'ai déjà vu avec la météo pourrie. Il faudrait bien le voir avec la météo belle. Du coup, j'ai réservé un petit hôtel pour ce soir, pas trop cher. Par contre, il faut pas s'y prendre trop tard, parce que là la nuit elle tombe assez vite, elle tombe vers 17h. Et là, il est 15h, tu vois, et j'ai encore 126 km. C'est ça que je souhaite en road trip. Quand t'es en van, c'est encore mieux parce que tu peux t'arrêter un peu partout. Moi, il faut que je regarde. Faut que je regarde les hôtels. Allez, on va être reparti pour de la ligne droite, et de la ligne droite et de la ligne droite. Tout ce que j'aime. Non, je n'aime pas trop la ligne droite. Je ne vous ai pas encore montré comment je démarre la moto. Mais voilà, je cours à côté d'elle. Je saute, je passe à vitesse. Si j'ai de la chance, elle démarre. Là, elle a démarré. Je suis content. Bon voilà, j'ai doublé tout le monde, mais là devant j'ai la police, j'ose pas trop la doubler quand même. Surtout qu'ils m'ont déjà contrôlé, ils ont mon nom.
je traverse quand même de temps en temps des petites villes, tous les 20-30 km environ. Et après c'est reparti pour de la ligne droite. Un peu plus vallonné là pour le coup. Faut que je me grouille, la nuit est en train de tomber. C'est la lumière du coucher de soleil. Un peu or comme ça, j'adore. C'est mon moment préféré pour rouler à moto. Quelquefois, j'essaie de sortir de la route principale, voir ce qu'il y a au bout de ces petits chemins. Comme tu peux voir, il n'y a pas de barrière pour la voie ferrée. C'est assez fréquent en Nouvelle-Zélande. Nous voilà maintenant sur nos routes de gravier. Entre les moutons et les vaches, au loin, l'océan. Je suis content d'avoir une moto pour passer ici, c'est plus facile. C'est bon, je suis arrivé, pile à l'heure de la nuit, 5h15 au clocher et la ville est super jolie, j'étais déjà passé mais je m'étais pas trop arrêté là, je te montre vite. Je pense qu'on va aller se promener après, un petit clocher là qui vient de sonner 5h15, là-bas une autre église, enfin une église, et regarde la banque ANZ, regarde ce qu'ils ont acheté quoi. Il n'y a vraiment pas grand monde, voire personne. Je peux marcher sur la route. On dirait qu'il est 2h du matin, alors qu'il est que 10h. C'est souvent calme le soir en Nouvelle-Zélande, encore plus dans les petites villes. Mais là, il n'y a vraiment personne. Allez, on est reparti mon gars, let's go! Il fait beau aujourd'hui, dis donc. Bonne nouvelle journée qui commence, comme tu vois, il y a plus de virages sur la route et moins de monde. Mais le soleil est toujours là, ça c'est chouette parce que je suis pas sûr de l'avoir tout le long du trip. Et là je vais attraper une route un peu plus grande, on va remonter une rivière et on va arriver dans la partie montagneuse. En fait ça c'est ce que je croyais. Me voilà par terre. Putain. Qu'est-ce que je fous dans le fossé ? Allez, on se relève. Ouf. You have me just 2 minutes. Oh la 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 la. What happened? Oh. Oh dear. Oh dear, you okay? Me it's okay. My bike, I don't know. If you flip on the corner, just stop here, and the one brought beside my bike. Yeah. This one is very good, and it's heavy, huh? Yeah, well, the town down here, that's from the mechanic. If you leave the bike here, the drive to the town. Bon allez, réaction à chaud. Je voulais descendre la moto quand c'était penché encore comme la dernière fois et elle est retombée comme la dernière fois, sauf que là elle a touché le carter il s'est troué, du coup il y avait de l'huile partout, j'arrivais pas à relever la moto, le gars s'est arrêté, il m'a aidé à relever la moto, j'ai vu que le carter était niqué. Du coup on est allé au village plus loin qui a 10 km, il y a un petit hôtel, un petit garage. Au garage ils peuvent pas trop m'aider parce qu'ils ont pas de camion. Mais j'ai demandé peut-être que j'allais chercher du boulot dans des fermes ici pour pouvoir réparer moi-même ou travailler. Et apparemment il y en a comme de tension, enfin, des gens qui font ça, du coup là le gars avec qui je suis il va m'aider un peu et je sais pas. On va voir l'aventure mais bon.
ça va, il fait beau. Un peu triste, mais ça va. Au final, le gars me laisse dans l'hôtel-restaurant du village. Je m'assis, je ne sais pas quoi faire, j'essaie de réfléchir, mais c'est pas facile. J'ai peut-être l'idée d'aller juste en stop à la moto après la pousser sur plusieurs kilomètres pour la ramener au village. Quand j'étais en train de manger, la serveuse vient me présenter un gars qui était au bar en train de boire une bière. Un fermier qui veut m'aider. Après avoir bu sa bière à grosse gorgée, il me dit « monte avec moi dans la voiture ». Je ne sais pas où j'allais, mais j'y allais. Richie, hello. Hello, my man. Look at that. Thank you, Richie. No worries. Yep. On est au garage où on était tout à l'heure. On va voir s'ils peuvent me le réparer. Et à fond, je pense qu'il y a une pièce à commander et tout. Enfin, je sais pas. Vite ton rêve. Pas facile quand même, pourtant. Mais bon, les gars, ils sont super sympas. Yeah, it's a good bike, but today it doesn't happen. Shit happens. So you work around the country? Yeah, work and holiday. Cool. Work and holiday. Good. Work and holiday. Good. I've been 6 months. 6 months? And maybe 4 months again. Where is that from? Hello. No, that's fella. That's inside. Oh, right. Lucky. Where? Lucky. Look. Lucky? Very lucky. Why? No, lucky. Okay. That's lucky. Okay. Holy. Yeah. Right. Le carter est fêlé là. Le joint aussi, surtout au carter quoi. Oh, you see? Timing chain? Step brake? Bike, US. Yes. Stuffed? Yeah. Yeah. Oil pump? Okay. Yeah. So that brakes. Bon, on vient de regarder tout ça. On a ouvert. Voilà. On devrait pouvoir réparer, mais. Enfin, c'est le carter là qui est fait. Et la pièce, ils la font plus parce que c'est une vieille moto. Ils ne la trouvent plus en Nouvelle-Zélande. Du coup, pour réparer, il faut ressouder de l'alu. Du coup, il faut aller voir un gars qui soude de l'alu, le réparer et tout ça. Et il me dit que ce qui a cassé ça, c'est le qui tient, moi j'y connais pas trop en mécanique, mais qui tient la chaîne qui entraîne tout le moteur et tout ça, qui a pété là-dedans parce qu'on voit un choc là. Il me dit que j'ai beaucoup de chance que la chaîne se soit pas, n'ait pas bougé parce qu'on a pu remettre ce boulon là derrière. Ouais, allez. Belle galère, je sais pas si je vais m'en sortir, mais bon, on essaie. Bon, en attendant que la moto soit réparée, je vais passer quelques jours chez l'agriculteur qui m'a aidé à transporter la moto de là où j'avais cassé la moto, juste au garagiste, c'est super sympa. Voilà, c'est un petit ferme, il a quelques tracteurs et tout ça. Moi, je suis chez l'agriculteur, il m'héberge ce soir là dans sa maison, il y a des tracteurs un peu partout et tout. C'est paumé, putain. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous faites bien la fête. C'est samedi soir chez vous en France. Moi c'est dimanche matin, j'ai pas trop fait la fête hier soir. Je suis toujours dans ma campagne paumée, là où j'ai cassé ma moto. L'agriculteur m'héberge toujours, il me donne quelques petits boulots à faire. Et aujourd'hui c'était ramassage de bois. Hop, on a pris la petite remorque et le petit 4x4. Et regarde la vue, c'est pas trop mal quand même. Allez, bonne journée à tous, moi je vais à la pêche après. Malheureusement, même en Nouvelle-Zélande, dans la nature, on retrouve fréquemment des déchets. Bon, la marée est basse, on est parti chercher les oursins, mais
Il y a trop de vagues, il va pas pouvoir aller trop dans l'eau et tout ça. Il m'a dit qu'il y a 2 mois, il y a eu 2 morts ici. Voilà, sympa quand même. Il est en train de chercher les oursins, il regarde sous les rochers, partout avec sa main, il a pas de gants ni rien. Voilà, là il va le faire. Il regarde en dessous du rocher, il surveille que la vague arrive. Oh là là, il a l'habitude, mais aujourd'hui il a pas trop de chance. Oh putain! Oh putain, les gars, l'aventure recommence. Oh putain, les gars, l'aventure recommence, ça revient pas quoi. Quand j'ai pété la moto là-bas, que fin fond de la campagne, que j'étais le cul à moitié dans l'herbe, dans le fossé, que je voyais la moto qui pissait de l'huile. Je me suis dit, c'est bon, elle est morte, elle est pour la casse. Il n'y en a presque pas d'autres modèles ici comme ça. Elle est très vieille et tout. Je me dis, c'est mort, mon aventure à moto est finie. Et au final, putain, j'ai trouvé des gens sympas qui m'ont aidé. Et on est reparti, j'en reviens pas, je vous jure, j'en reviens pas. Allez, on est reparti, on va faire attention. On se dirige vers les montagnes. Il est 15h, dans 2h il fait nuit, on va peut-être rouler un peu de nuit. Yeah. I live. Ma moto est réparée les gars, c'est bon, on pourra partir, je vais devoir dire au revoir à l'agriculteur. Ça a été ressoudé là, à la lieu et tout, putain, ils ont remis de l'huile. J'ai envie de dire au revoir à Richie qui m'a beaucoup aidé. Richie, thank you my friend, you have a very kind man. Thank you, thank you. Yeah. Allez, je suis arrivé à une ville là, une grande ville, je suis à Queenstown. Putain, j'ai roulé, j'ai fait plus de 200 km aujourd'hui. J'ai fait plus de 170 km sans descendre de la moto, elle va bien, je suis bien content, j'ai doublé pas mal de monde, c'est bien chouette. C'est une des plus belles villes de la Nouvelle-Zélande, surtout l'île du Sud. Une des plus connues, il y a une station de ski, c'est assez riche et tout ça. Je suis déjà venu ici avec quand j'ai loué le van avec mon pote. C'est là où je me suis pété la cheville d'ailleurs. Et là, quand je roulais tout à l'heure, il faisait 6-7 degrés, il fait pas trop froid, mais il fait pas trop chaud avec la moto, il faut bien s'habiller. Et là j'ai pris un backpacker pour dormir ce soir, une petite auberge. Et je rentre dans ma chambre, je trouve deux Allemands que je connais. Je suis en train d'aller au couloir, je croise une fille, une Française que je connais, alors qu'on est 300 au moins dedans. Mais en Nouvelle-Zélande, ça t'arrivera assez souvent si tu viens de rencontrer du monde que tu connais. Ça arrive assez souvent. Moi du coup ce soir je vais au bar et on se retrouve demain matin. Bon, chouette petite matinée, j'ai bien roué, là je me dirige vers le sud. On va aller tout au sud de l'île. Il fait pas trop froid, il fait assez beau, même il y a des petites éclaircies des fois. Bon, j'ai quand même mis le chauffage sur les poignets, mais c'est chouette, j'ai bien kiffé la route ce matin. C'était super beau les débuts au paysage, les paysages dès le matin là. Après c'est devenu un peu ligne droite, mais c'est vraiment chouette. Et comme tu dois remarquer, j'ai plus trop de voix aussi, j'ai un peu fait la fête hier soir comme je vous avais dit. Et c'est vraiment bien Queenstown pour faire la fête, putain, mais par contre... J'étais avec des gars qui travaillaient là-bas, ils m'ont dit t'économises pas, c'est impossible. Du travail, tout ce que tu travailles, tu le dépenses. Ouais, on va faire le pain à la petite, on va lui mettre de l'essence encore un peu et on va repartir vers le sud. Je viens d'arriver dans la ville d'Invercargill. Invercargill, pas facile à dire. Et j'aime bien, il y a des jolis bâtiments, tout ça, c'est grave sympa. Et là, je vais faire un petit musée, je vais aller visiter le musée de la moto. C'est bien un musée pour moi, ça. Et apparemment, il y a de jolies bécanes. C'est juste là-bas, on y va.
Le musée a l'air hyper grand à l'accueil, il m'a dit qu'il y avait plusieurs étages et plusieurs salles et tout ça. On est dans la première. Et pour savoir quand on commençait la construction des motos, c'est en 1920, je ne le savais pas, et ça ressemblait un peu à ça. Eh ben putain, je suis comme un enfant. Toutes ces motos, quoi. Il y a tellement de trucs à voir que je vais pas pouvoir tout te montrer. Je vais essayer de te montrer 2-3 trucs et moi je vais regarder tout avec mes petits yeux là. Là, le véhicule que tu vois derrière, on dirait une moto, mais vu qu'il y a des pédales, je pense que ça considérait encore comme un vélo. Et ça date de 1914, et vu que tout à l'heure on a vu que ça commençait à 1920 les motos. Là, il y a des harlés et tout ça. Je kiffe cet harlé. Cet harlé jaune là, avec les... tout jaune, même les jantes, même les pneus un peu jaunes, trop stylé. Après, il y a des sidecars de malade, les premiers sidecars avec les trucs en osier comme ça. Sidecar Harley Davidson. Bon, toutes les motos sont ouf, mais je vais essayer de te montrer en détail les quelques modèles que je surkiffe vraiment. Un Vespa Sidecar, quoi. Sans déconner, j'avais jamais vu ça. Une BMW R2. Regarde comment est le cadre et le réservoir et tout ça. T'as vu la gueule qu'elle a? Elle a rien là. Là, tout ça, c'est fait à un seul bloc, quoi. Ça donne une forme trop stylée. Une Cardinal Britain. Bizarre la forme. En fait, il n'y a pas vraiment de châssis, je sais pas comment ça marche, mais c'est uni sur les cylindres comme ça là. Ça brille de mille feux aussi à l'étage, il y a de superbes motos encore. Comme tout à l'heure, je te ferai une petite compilation de mes motos préférées. J'aime beaucoup ces deux motos là, sont vachement originales. Celle-là devait pas être facile à conduire avec le guidon comme ça, là, la direction, le cylindre qui sort en plein milieu avec la bougie. Ça s'appelle, voilà, t'as le nom là. Après, passons à la Nimbus. Je connais pas non plus, mais le cadre comme ça avec le gros tube pour le réservoir, les petits cylindres qui remontent avec les petites bougies. Là, c'est quoi ça? C'est un compte. C'est pour les kilomètres ou les tours? Ah non, l'ampère, pour les ampérages quoi. C'est la batterie, t'es à la batterie là quoi. Trop marrant. Allez, passons à celle-là. Et celle-là, elle est, c'est une moto beaucoup plus récente. Et moi, elle me rappelait quelque chose. Et en fait, quand j'ai lu le papier derrière, elle me rappelait bien quelque chose. C'est parce que j'ai travaillé dans cette usine. J'ai posé la clim dans cette, là où elle est fabriquée, c'est à Toulouse. Et ils font que des motos sur mesure comme ça, de cette marque et d'une autre marque. Et j'ai vu les gars travailler, c'était ultra ouf de les voir travailler. Que du sur mesure, elle est trop belle, j'adore. Ça vaut 40 000 euros, je crois. Une petite Guzzi toute rouge et à côté une BM blanc. J'aime bien, je trouve que ça change le blanc, le rouge comme ça là. Il y a beaucoup de motos noires ou grises ou des chromes, des BM là encore, des Triumphs, des jolis Triumphs. Je viens juste de rentrer du musée et le musée j'ai trop kiffé, j'ai appris plein de choses que je connaissais pas, j'ai vu plein de motos que je connaissais pas et j'ai payé 25$, ça fait une quinzaine d'euros. Je trouve que ça valait le coup, en plus j'étais tout seul, il y a eu personne qui l'a visité en même temps que moi, du coup il était vraiment privatisé. Là je m'habille pour reprendre ma moto, on va à 20 km au plus au sud, on va à Bluff, c'est la ville la plus au sud de Nouvelle-Zélande. Et après un jour peut-être que j'irai plus au nord de la Nouvelle-Zélande et je pourrais dire que j'ai traversé toute la Nouvelle-Zélande en moto. Allez, on s'habille et on y va. On est arrivé avec ma petite moto, on est au sud de la Nouvelle-Zélande. Et là, sous le panneau, il y a marqué que London, c'est presque à 19 000 km. Du coup, Paris est à peu près pareil. J'ai vraiment l'autre bout du monde, que si tu fais un trou par rapport à ce point-là, je tombe vers Barcelone. Je suis vraiment l'autre bout du monde. Et la capitale la plus loin de Paris, c'est Wellington. J'ai appris ça ici, que vraiment, vraiment l'autre bout du monde, quoi. Thank you.
Bon, c'est une journée pluie aujourd'hui, comme tu vois, me trempe un peu la gueule. Bon, j'ai pas pris trop de grosses pluies, je suis équipé. Je commence à avoir de l'eau dans les chaussures par contre un peu. Et je me suis trompé de route quand j'ai fait 40 km dans le mauvais sens, on va essayer de recouper à travers. Et j'étais un peu emmerdé qu'il fallait que je trouve une pompe à essence, là j'en trouve une. Putain, la moto qui se coupe juste devant la pompe à essence. Bon, je suis pas encore en réserve, mais il fallait pas aller beaucoup plus loin quoi. Allez, on va couper à travers champ. On va pas prendre des grandes routes, on va prendre des petites routes. Bon, route fermée là, la route que je devais prendre qui était à travers la campagne pour revenir sur la bonne route parce que je me suis perdu. Le pont il est pété quoi, je vais obligé de faire un tremplin. Puis après je vais prendre de l'accélération, je vais faire un gros tremplin au-dessus de la rivière parce que j'ai pas envie de faire le détour. Bon, il est 14h, je roule, ça fait pas mal de kilomètres que je suis sur cette route de campagne, c'est assez joli, je prends des fois la pluie, après une petite éclaircie, je commence à avoir froid au pied, il fait 8 degrés dehors. Et là à côté il y a un troupeau de cerfs. Il y en a beaucoup en Nouvelle-Zélande. Je vais te les montrer. Bon, du côté de la moto, elle va bien depuis sa réparation. Là regarde, elle est un peu sale et tout ça, elle est passée dans le chemin, elle est contente. Je suis content aussi, elle passe bien partout, elle roule bien, j'arrive bien à doubler tout ce que je veux. J'ai enlevé un peu de poids derrière, mais j'ai encore pas mal d'affaires. J'ai la bâche là dessus pour pas mouiller les affaires. Allez, on va repartir, on va essayer de trouver un truc à manger. Oh, ça va faire une jolie photo là. Pou pou pou. C'est bon, je suis au four, je me suis trouvé un petit café, comme il y a souvent au bord des routes en Nouvelle-Zélande, un petit café qui propose des petits sandwichs, et là, il propose même de la soupe. Du coup, j'ai pris une petite soupe, mais je crois que la première soupe que je vais avoir, c'est une soupe de chaussettes. Je vais te montrer ça. Miam, miam, miam. Allez, bon appétit. Là, la statue qu'il y a derrière moi, c'est une statue pour 14-18 et 39-45. S'il y a des gens qui sont venus de Nouvelle-Zélande se battre avec nous, c'est pour se dire de traverser le monde entier pour venir se battre avec nous. Paix à leur âme. Ce matin-là, je suis parti assez tôt. J'ai eu droit à un magnifique lever de soleil. À un moment, la route était barrée. Du coup, on a dû passer sur des chemins de traverse, sur des routes de gravier. Avec ma moto, je me suis grave amusé.
là ce matin c'est brouillard, je suis revenu dans la partie montagneuse, on a déjà pris cette route là il y a 2-3 jours. Et j'ai froid aux mains, je vais me faire réchauffer sur les poignées chauffantes parce qu'avec le brouillard, le froid il doit faire 4-5 degrés. J'avais les doigts gelés. Là il me reste 15 km pour passer le col, j'espère que de l'autre côté il n'y aura pas de brouillard. Ça me rappelle quand j'avais 15-16 ans que je devais prendre la moto tous les jours pour aller au boulot, faire 20 bornes aller, 20 bornes retour. Printemps, été, automne, hiver. C'était l'aventure. Hein. Là, la visière, elle est pleine de buée. Je suis obligé d'ouvrir la visière. Du coup, le vent, il rentre directement. J'ai les yeux qui pleurent. Ah là là, j'ai vraiment aimé l'aventure. Mais bon, moi, j'aime ça. Après avoir franchi le col, malheureusement, encore du brouillard sur ce grand plateau. On est arrivé au pied du Mont Cook, il y a une petite marche de 15 minutes, ouais, de 30 minutes ils disent en fait. Mais je l'ai déjà faite, mes 15 minutes. Il y a des éclaircies et tout ça, peut-être quand de là-bas on arrivera à le voir, mais fait chier quand la météo disait il va faire beau, j'arrive. C'est pas bon. Mais bon, il y a des petites éclaircies. Ouais, je suis arrivé il y a une demi-heure au point de vue, au début il y avait une petite éclaircie, on voyait un peu le glacier et tout ça, mais là tout s'est couvert, on voit plus rien du tout. Et en fait le Mont Cook il a 14 km du coup, pour le voir il faut vraiment que ce soit une super belle journée. Et même sur la photo qui montre le Mont Cook, tu vois, on le voit pas trop. Là, tu vois, il est hyper loin. Que là on voit d'autres sommets, ils sont plus hauts, mais en fait c'est lui le plus haut de Nouvelle-Zélande, il culmine à 3593 mètres. Il adore, on voit comme ça. Voilà. Bon, ben on va redescendre, deuxième fois que je viens, mais deuxième fois que je le vois pas. Ce soir, je dors à côté du lac Tekapo. C'est un lac qui est à 1 heure du Mont Cook, un grand lac qui est très joli. Et mon auberge que j'ai prise, elle ressemble à un grand chalet. C'est super joli. Justement, elle est juste à côté du lac. Moi, j'ai pris une petite chambre de 4 pour être tranquille. J'ai payé 27$, ce qui fait environ 16 ou 17€. C'est pas trop cher, mais c'est un peu les tarifs, la moyenne. 27$, c'est un peu la moyenne de ce que je paye. Des fois je paye moins cher, des fois plus cher. Il fait 3 degrés ce matin, je galère à démarrer en moto, toujours en poussant et sautant dessus là, avec mon kick cassé. Pas facile tous les jours de démarrer. Thank you.
Il va être content l'agriculteur s'il arrive, s'il voit une moto dans son champ qui vient d'être semée là. Bon, il y a déjà des traces de roues, c'est pour ça que je suis monté. Je pense qu'il y va avec son 4x4. On va faire une jolie photo là, je pense. Regarde. Oh là là. La chaîne montagneuse, un peu de neige et tout ça. Allez, on va sortir l'appareil photo. Je suis super content des photos que je viens de prendre. C'est vraiment trop stylé de voir le grand champ comme ça, les montagnes enneigées derrière. Tu peux retrouver ces photos sur mon compte Instagram. Je mets pas souvent des photos, je mets souvent des stories. Mais là, cela, je vais les mettre. Tu pourras me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ah là là, je suis content quoi. Quand il n'y a pas de touristes et que j'ai des paysages comme ça. Ah, punaise, j'adore. Tu veux voir la tête de mes chaussures? Je crois qu'il y a de la boue un peu. Je crois qu'il y a de la boue. Les pneus, ça va être pareil. Il va falloir faire gaffe quand je vais repartir sur la route. Ça glisse! On roule à gauche! Oh là là, petite terre! La terre et des gravillons, ça va être sympa! Je sais pas. Bon, là le niveau est bon. Ce matin, hier soir quand je l'ai vu, il était un peu bas. Il était pas au minimum, enfin il était pas en dessous du truc. Là il est au-dessus. Yeah, yeah. Ok. I don't know. Wait, my clutch is not very good, but wait to 5 minutes. Bon, mon embrayage est bloqué. En position. J'ai tiré sur le câble et la poignée n'est pas revenue. J'ai aucune idée ce que ça peut être. En principe, peut-être les disques d'embrayage qui restent collés. Bon, l'embrayage, je reviens toujours pas. Du coup, il va falloir aller au garage encore. T'es. Il y a un village à 8 km. Il y a un garage apparemment. J'ai le moral au fond des chaussettes. Mais bon, il fait beau. La dernière fois, j'avais dit pareil. Mais bon, il fait beau. On va mettre un petit gilet jaune et on va pousser juste là-bas. Là, ça descend pas mal. Après, on verra. J'ai pris toutes mes affaires précieuses et je laisse mon bag ici, mes autres affaires. Pour l'instant, ça descend, c'est facile. Elle aime bien les remorques, j'ai l'impression. Punaise. So when do you head home? When do you head back home? Today? Today? Oh, you're heading to Christchurch. But I don't know. I have just hostel some. J'ai rencontré ce monsieur au bord de la route quand j'étais en train de pousser la moto. Il travaillait dans son champ, il est fermier. Je lui ai demandé de l'aide s'il pouvait pas me mener au prochain village. Il a accepté, il m'a dit mets la moto sur la remorque et là il est en train de m'amener au village où il connaît un garage. J'avais pas mal de mal à le comprendre, mais il était super sympa de vouloir m'aider. CRC down, see if we can free it up. Not maybe, worth a try. I'm not sure, just look inside for. Why? Look inside. Yeah.
J'en aurais eu des montées d'adrénaline et de stress en Nouvelle-Zélande quand même. Fou. Là, je me suis dit, allez, si c'est l'embrayage, je suis mort encore. Comment je vais faire? Et je vous ai pas encore dit qu'est-ce que c'était. Enfin, certains auront une idée, ceux qui font de la moto et tout ça. J'arrive au garage, ils regardent, ils disent non, l'embrayage il est pas mort parce que quand on le touche au bitonio ou directement au moteur, ça bouge. Mais c'est sûrement le câble qui est cassé. Je vais chercher mes autres affaires avec l'agriculteur à 8 km. Je reviens ici, il avait démonté le câble et tout ça. Il me dit non, le câble n'est pas cassé. Et il avait mis sur un étau et en fait, c'est bizarre. Le câble ne bougeait plus dans la gaine. Et du coup, on a mis du lubrifiant, on a fait bouger tout ça, on a remonté et l'embrayage est remarché. C'est de dingue quoi. Toutes ces histoires que je vais avoir à raconter, finesse. Du coup, il m'a dit, enfin, je lui demande bon, combien je te dois. Et il me dit, bah, va acheter un pack de bière au supermarché en face. Du coup, je lui ai acheté un petit pack de bière avec, pour le chef ici de gars. Et on va être reparti, trop content. Allez, on repart direction Christchurch. Là où je suis parti il y a environ 10 jours, je crois que c'est 10 jours. Hein. Si tu veux savoir combien il y a de kilomètres, la petite, je vais te montrer. 64 000 kilomètres. Donc j'ai acheté avec 61 000, je crois que j'ai fait 3 000, ouais. Et ouais, elle est pas jeune, elle a fait des bornes. C'est pour ça que c'est quand même une bonne moto, mais là elle commence à être vieille. Je suis arrivé hier soir à Christchurch, mais c'était une belle aventure pour y aller. Si bien on voulait 2-3 heures de nuit, je suis arrivé à 20h à l'auberge, je suis allé me reposer que j'en pouvais plus. J'ai roulé deux nuits sous la pluie, avec des camions, de la buée sur le casque, tout le monde avec les lumières, du coup moi je voyais pas grand chose, j'ouvrais les yeux au taquet. Des fois je devais doubler des camions, c'était des 4 voies. Fatigant ce trip en moto quand même, c'est pas très reposant, il faut être ultra concentré tout le temps. Et ça faisait 10 jours que j'étais parti de Christchurch et de faire le 8 là ça m'a pris une dizaine de jours, sauf qu'il y a 3 jours où j'ai pas pu rouler parce que vous avez vu ma panne sur la moto. Et encore normalement ça peut prendre plus de temps, mais moi j'ai pas fait trop de randonnées tout ça vu que j'en ai déjà pas mal fait avant. Mais si tu veux faire plus de choix ça te prend beaucoup plus de temps. Moi je l'ai fait assez vite, j'ai beaucoup roulé mais j'ai kiffé, j'ai grave kiffé ce trip. Et là il me reste 250 km pour aller juste à Picton qui est là où c'est qu'il y a le ferry qui passe d'une île à l'autre, enfin du sud au nord, enfin les deux quoi. Du coup, je te propose qu'on se retrouve sur le bateau. Si on se retrouve sur le bateau, c'est que j'ai pas eu de problème d'ici à là-bas. Allez. Voilà sur le parking pour embarquer sur le ferry. Il y a 4 mois et demi, je débarquais ici, sur l'île du Sud. J'ai vécu plein d'aventures. Là, ça sonne la fin de mon trip, mais que de souvenirs, que de rencontres, que d'aventures. Vraiment, c'était super chouette. Là, on va passer à une autre étape. Je sais pas qu'est-ce que l'île du Nord me réserve. Quand je suis venu, il y avait une quinzaine de motos. Et là, il y en a plus que deux, la mienne et une autre. C'est vraiment la basse saison, il y a très peu de vent, très peu de voitures. Allez, on va monter dans le ferry. C'est bon, j'ai quitté l'île du Sud, je suis sur le bateau. J'ai pas eu d'autres galères avec la moto depuis que je vous ai quitté. Une aventure se termine. L'île du Sud est derrière moi, l'île du Nord est juste là. J'en avais rencontré du monde sur l'île du Sud, fait des choses, des randos, C'était vraiment chouette. Très très belle aventure, très très beau souvenir. Depuis que j'ai commencé la vidéo, ça fait 12 jours. Avec la moto, on n'a pas couru 2000 km. Ah, j'ai eu quelques galères et tout ça, mais qu'est-ce que c'est beau de réussir un rêve, parce que c'était un rêve de voyager en moto en Nouvelle-Zélande. Même si j'ai eu des galères, c'est encore plus beau de réussir quand t'as eu des galères, quoi. Qu'est-ce que je suis content, je vous jure. Quelle aventure. Même plusieurs mois après, j'ai du mal à réaliser. C'était vraiment ouf. Et le ferry m'a déposé à Wellington, et j'ai fait le choix de remonter directement à Auckland, qui était à 800 km. Le trajet m'a réservé son lot de mésaventures. Et comme pour les fois précédentes, j'ai relativisé et j'ai trouvé des solutions. Une fois arrivé à Auckland, j'ai trouvé du travail. J'ai travaillé pendant 2 mois dans le bâtiment.
Et après, j'ai vendu la moto. Et j'ai fait le choix de rentrer en France. Ça fait maintenant 9 mois et demi que j'étais en Nouvelle-Zélande. Du coup, je suis rentré, mais je suis rentré fier de moi. J'avais accompli mes deux objectifs. J'avais traversé la Nouvelle-Zélande en moto. Et j'avais progressé en anglais. J'étais vraiment fier de moi. Comme quoi, avec du courage, de la détermination et de la motivation, on peut y arriver. Et 15 jours après être rentré en France, je me suis lancé un nouveau défi. Car j'avais encore soif d'aventure, je me suis lancé le défi d'aller jusqu'en Grèce en autostop avec 300 euros en poche. Cette aventure fera sûrement aussi l'issue d'un film. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder mon film. Faites attention à vous, faites attention aux autres, profitez de la vie et j'espère à bientôt.